Ah non, si je commence à l'attendre, en fait, on n'en finira plus. Oh, bordel! On arrête tout aujourd'hui, les amis! Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de Granny! Parce qu'aujourd'hui, nous allons réussir à faire ce que nous n'avons pas réussi à faire dans les épisodes précédents, c'est-à-dire de nous enfuir calmement. T'as vu comment je sais exactement où se trouvent les trucs? C'est un morceau de peinture. La peinture permet d'avoir une vie supplémentaire. Ça, j'avais vu grâce à des abonnés dans les commentaires. Ici, j'ai la clé du coffre. C'est la première fois que j'ai la clé du coffre aussi rapidement. J'ai un shotgun. Alors, on va prendre la clé du coffre. Attends, je vais voir là-bas. Je suis pas là, Granny! C'est pas la peine de chercher! Et j'ai la clé spéciale, punaise! Mais attends, c'est la partie de la... du plaisir! Pourquoi c'est tombé? J'ai vraiment fait le tour! C'est n'importe quoi, franchement, parfois. Ce jeu est vicieux. Donc nous avons repéré un morceau du shotgun. J'ai le moteur. Putain, c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. On va faire avec, hein. J'ai le moteur juste ici. Hop, qu'on va placer ici. J'ai ici la clé de la playhouse. Pourquoi pas? C'est intéressant. Ok. Ça, c'est intéressant aussi. Je vais me cacher dans la voiture. En espérant qu'elle ne me voit pas ici. Normalement, techniquement, elle est censée remonter. Elle a juste entendu un petit bruit. Elle me fait, ouais, bon, bah écoute, je passe pas que la voiture soit touchée plus que ça. Vas-y, remonte. Remonte, remonte. Vous avez vu avec quelle efficacité nous sommes en train d'avancer actuellement. Nous allons réussir, les amis. Je le sens bien, je le sens bien. Aujourd'hui, je suis arrivé du boulot. Et après, c'est le 2 janvier, hein. C'est le 2 janvier, je suis arrivé du boulot, je me suis dit, aujourd'hui, on finit Granny. En tout cas, on finit la première fin. Enfin, je sais pas combien de fins je vais réussir à faire dans le jeu. Mais en tout cas, on en fait une. Ce sera déjà pas mal. Elle est encore dans le sous-sol avec moi. Elle semble être partie. Du coup, on va partir. Faudrait pas que j'oublie de récupérer le morceau de shotgun qui est en haut. On va d'abord ouvrir la playhouse qui... Enfin, on va ouvrir la maison de poupée. Et il faudra trouver donc les écrous. Afin de savoir ce qui se cache, en fait, dans la maison de poupée. Le truc, c'est que comme tous les objets sont randomisés, donc il y a un écrou juste ici, donc c'est parfait. Fuck you! Il y a des nouveaux bruits! Première fois que j'ouvre cette porte et qu'il y a quelque chose qui tombe, tu vois. Elle arrive ou pas? Ouais, elle arrive. tu vas pas faire croire à Granny qu'il n'y avait pas eu de bruit, tu vois. Elle va venir vérifier de toute façon. Donc là, ce que nous avons vu, c'est que nous avons réussi à récupérer le coffre-fort. Nous avons la clé spéciale, qui nous permettra donc d'aller à l'étage. Là, je vais juste ouvrir la maison de poupée. C'est pas vraiment nécessaire, puisque j'ai pas tous les objets pour la maison de poupée. Mais peut-être qu'il... Mais imaginons qu'il y a des objets dans la maison de poupée, ce serait sympa en fait de... Oh bordel! Ah! Oh bordel! Mais pourquoi? Aujourd'hui, j'ai un gros cul ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je fais tomber tous les trucs autour de moi! Ah, c'est bon, elle est partie. Ok, elle est partie.
Très bien. J'ai un morceau de fusil à pompe juste ici. Oh mon Dieu, elle m'a vu! Oh mon Dieu, elle m'a vu! J'aurais dû rentrer dans la maison! Ah! C'est pas vrai! En plus, tous les spawns d'objets sont super sympas aujourd'hui! Donc j'ai pas intérêt de me tromper là! Les spawns d'objets sont vraiment, vraiment sympathiques! Alors toi, tu as là. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. On attend qu'elle arrive et qu'elle ouvre la porte tranquillement. Vas-y, vas-y, Granny, dépêche-toi. Va voir le vase si j'y suis. Granny, va voir le vase, mais. Elle est pas partie voir le vase. Allez, let's go. Chier. Ouais, j'ai dû avoir un gros cul aujourd'hui, je sais pas. Ce sont des choses qui arrivent, je suppose. Ah ! Pour ce fusil à pompe. Merci. J'ai laissé le steak à l'extérieur. Hein. Le steak, on est d'accord, on garde en tête. Il est à côté de la machine qui découpe des têtes. Hein. De la guillotine. Donc là, je récupère le morceau de fusil à pompe. Ça va me servir. Il faut que j'arrive à fabriquer le fusil à pompe. Ce serait un petit peu mon but actuel. Vous voyez? Ici, j'ai rien du tout. On va le mettre... Oups. On va le mettre juste ici. Il faudra que j'ouvre cette porte. Alors oui, on me dit qu'il faut fouiller dans la boîte à gants qui est ici. J'ai un morceau de fusil à pompe. Oh, j'ai le fusil à pompe. J'ai le fusil à pompe en entier. L'autre morceau se trouve dans la salle avec le gros morceau de jambon, normalement. Si, c'est du jambon. Peut-être que c'est du jambon humain, j'en sais rien. Oh, Granny, ça va chier. Tant que je rigole pas trop fort. C'est bon, ça résonne pas tant que ça, en fait, dans les casiers. Elle est où? Mais Granny, mais qu'est-ce que tu fous? Mais dégage, s'il te plaît. Oh. T'as fini de mettre des pièges à côté de ma voiture? Vas-y, mais prends ton temps, surtout, hein. Prends tout ton temps, hein. On va rien dire. N'est-ce pas? Je crois que c'est bon. Ok, morceau de fusil à pompe en plus. Ça. C'est parfait. Ouais, elle a mis un piège ici, faudra faire attention. On va... faire un demi-tour arrière sans touche. Sans se retourner. Parfait. Et là maintenant, on va retourner chercher le morceau de fusil à pompe qui reste. Et on va lui défoncer sa gueule à Granny. Ok? On va lui montrer de quel bois Nasseros il se chauffe, hein. Non mais oh. Attention, hein. Non, c'est pas là. C'était où? C'est là. What? Ok, j'arrivais plus à me baiser. J'arrivais à me dire je ne peux plus me baisser. Alors pourquoi ça? Ça tombe à chaque fois que je passe à côté. C'est dingue quand même. Faut vraiment faire gaffe à ce que tu fais. Hein. Bon. Là. Ah. Enfin. On avance, les amis, on avance. J'ai attendu combien d'épisodes pour pouvoir faire ça? C'est le 5e, non? Je crois que c'est le 5e, Granny. Le 5e, Granny, pour enfin lui montrer qui commande Granny. Wouh. Granny, c'est moi.
Tu connais ? Hé, Granny ! Hé, Granny ! Come at me, Granny ! Allez ! Allez ! You dead ! Ok, cette fois-ci, nous avons réussi, nous avons défoncé Granny, mais comme il se doit, quoi. Hein, avec toutes les morts qu'elle nous avait faites dans ce jeu, depuis le début du jeu, hein, elle a un petit peu mérité quand même. Oh, la wrench est juste ici à côté de la télé. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais la récupérer et je vais la jeter. Allez Granny, allez, reste là comme... 2 minutes 30, ça passe super vite, donc il faudra faire super gaffe à ne pas se trouver dans les parages lorsqu'elle se réveillera. Et surtout, là, mon fusil à pompe, il est déjà chargé. C'est une bonne chose, au passage. Elle a disparu. Oh oh. Elle peut pas avoir déjà risqué. Mon fusil. Où est mon fusil? Elle peut pas avoir déjà respawn, si? J'entendrai, non? J'ai la clé rouge? Ah ouais. Master key. On va la garder là, pour l'instant. Je sais pas quoi ça sert la master key pour l'instant. Qu'est-ce qu'il me manque là-dessus? Cutting pliers. Il me faut plein de trucs là quand même. Il me faut la remote control. Elle est déjà réveillée? Elle se réveille vite, non? Oh bordel, elle est où? Oh, je la vois là! Elle est coincée! Elle est coincée derrière une porte! Oh mon dieu! Ok, on va la laisser coincée derrière sa porte, tranquille. On va pas demander son reste. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah! Attends. Granny! Ah, 1 minute 30, mais on m'a dit 2 minutes! Putain, ça passe trop vite, 1 minute 30! Ils sont fous, les gens! Comment tu veux que je tue Granny? Comment tu veux que je fasse des choses en aussi peu de temps? Alors, il faut que j'aille... Je vais aller à l'étage. Et vous savez quoi? Il y a ce truc-là, là. Là, ce verre-là. Oh, yeah, c'est bon! J'ai le tournevis, maintenant. Putain, mais par contre, ça fait... Du coup, ça te fait une balle en moi. Voilà. J'ai le tournevis. On va aller voir ce qui se cache. Hop! On va le poser là, 2 secondes. On va aller voir ce qui se cache derrière le truc de l'escalier, qui est juste ici. Alors là, je suis un peu en stress, parce que 1 minute 30, ça passe trop vite. Et on a pas le temps. On a juste pas le temps, c'est dingue. J'ai la clé de la voiture. Ok, très bien. La clé de la voiture. Alors, la clé de la voiture. On va aller voir ce qu'il y a dans le coffre. Oh boy. Ok, on y va. On se dépêche, hein, avant qu'elle se réveille. J'ai le truc de la poignée. Le truc de la poignée du puits. On va aller ici. Oh boy. C'est bon. Je pense que Granny va se réveiller là. Je pense que 1 minute 30 est déjà passée, je ne sais pas. Je peux pas compter, hein, ok. Bon, on a d'autres choses à penser. En espérant qu'elle ne se réveille pas avec le bruit de la poignée, tu vois. La viande, ah oui, c'est vrai ça. C'est le truc le plus lent du monde, en fait. C'est juste horrible. Elle est déjà réveillée! Elle est pas croyable. J'ai le marteau. Là, j'ai le marteau. Je vais pouvoir fouiller un petit peu plus dans les étages, retirer la planche et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il faut pas que j'oublie de prendre... faudra que je fasse plus d'allers-retours pour récupérer la clé spéciale qui est dans les escaliers. C'est là.
Ça m'intéresse pas, Granny, ne vous inquiétez pas. Je serai rapide, hein. Les tournevis, le tournevis, je sais pas si on peut l'utiliser pour autre chose. Je m'en rappelle pas, en fait, d'avoir trouvé autre chose pour pouvoir l'utiliser. Je crois que je fais du bruit, là. T'es sérieux avec ton cintre, là? Ah, ouais, je dois avoir un énorme cul aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je marche comme ça. Je sais, c'est à cause des fêtes. J'ai trop mangé. Du coup, en fait, je me cogne dans tous les objets qui se cachent, en fait, dans l'environ, tu vois. Dans l'environ immédiat. Donc, du coup, c'est la merde. N'est-ce pas? Une fois qu'elle sera partie... Oh... Pourquoi juste ici, Granny? J'ai fait du bruit à côté du cintre. C'est n'importe quoi. Où est-ce que ça grince, ici? Je sais plus où ça grince. C'est la clé de quoi, ça? La clé de l'arme. Weapon key. Ça, j'ai tous les trucs que j'ai jamais vus dans ce jeu depuis le début, quoi. J'avais jamais vu la weapon key, j'avais jamais vu le tournevis. Et aujourd'hui, bah, j'ai tout. On va devoir attendre un instant, le temps qu'elle monte, qu'elle se décide de venir vérifier au grenier. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Elle est en train de faire un speedrun juste vers moi, tu sais, en mode « Je vais t'avoir, Seros. Je vais t'avoir, Seros. » Non, tu vas pas m'avoir, Granny, parce que c'est moi qui vais t'avoir aujourd'hui. Tu peux savoir quel point je suis à même de te vaincre aujourd'hui. Et le jour de la libération. Bon, on va devoir, je pense, re-récupérer le fusil pour essayer d'avoir un peu de... Comment te dire? Un peu de vie, tu vois. Un peu de temps, on va dire, pour régler nos problèmes. Alors j'ai un écrou juste derrière, quoi, c'est... Vous avez dit... Il y a des gens dans les commentaires qui disent « Laisse une planche, Seros, laisse une planche !» À part m'empêcher moi de passer, ça n'empêche pas Granny de passer, hein. Vous avez vu vos yeux, là? Je me suis fait défoncer. Ah, ça m'a fait peur. Alors, j'ai trouvé la clé du weapon. Ça te regarde pas ! C'est une arbalète. Je pense que je peux la défoncer aussi avec ça. Granny! Alors, t'as eu des coups de fusil à pompe? Et t'auras aussi des coups de seringue dans la nuque. T'es prête? Oh, je suis désolé. Une minute. Ok, ok, ok. Cool, je peux récupérer le truc. Ok, d'accord. Granny is down. Granny is now down. Je peux maintenant... Oh, il y a des munitions de fusil encore là. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? La clé spéciale! La clé spéciale était dans l'endroit... Ben, l'endroit spécial, d'ailleurs. Du coup... Ah, mais... Attends. Une minute, elle va se relever, quoi. Oh, elle a disparu carrément. Oh. D'accord. Ok, d'accord. Elle dispone, en fait. Ah, c'est relou! Parce que j'ai dû jeter... Ah, mais attends, mais je peux lui tirer dessus, en fait. Cours! Cours! Y'a plus de munitions dedans! Cours! Cours! Cours!
déplacerai avec ce barret, je sais pas où elle est. Autant se casser. Oh, j'avais le temps. Le fusil à pompe, il est où? Je l'ai laissé où, le fusil à pompe? Ah, fuck you. Non. Là. Granny. Boum. Headshot. Ah, oh, ça fait du bien quand même. Quand ça arrive, dégage, Granny. Pose ton corps mort de là. Je ne veux pas te voir. Ton cadavre dépérir. Hein? Ok, d'accord. C'est un peu violent quand même, Granny, hein, on est d'accord. On est quand même là à défoncer une pauvre, une vieille dame qui n'a rien demandé à la vie. Oh, j'ai carrément les pliers. Attends, on va récupérer le marteau. On va couper la caméra. Ok, hop, ça là-bas. J'ai plus besoin du marteau. Si, pour la porte principale, j'en ai besoin. On va prendre les pliers. Hop. Et on va couper... on a plein de fils à couper. Donc du coup, il faudra se dépêcher. Non, non. Tac. On récupère ça. On envoie ça là. C'était pas voulu! God damn it! Buena feo! Un Granny? Mange à moi, non. Oh. Tu vois, la seringue, elle est juste là. Ça, c'est la queue de quoi? Un weapon key, j'avais plus besoin. Quelle porte elle fait ça là? Elle est où? Elle vient par où? Boum! Dans le bichon! Dans ton nichon gauche! C'est quoi ça? Ouh! Oh! Le remote contrôle! Alors, j'ai des photos un peu bizarres de ce qui se passe ici. J'ai la remote contrôle. Alors, on va voir ça après. On va d'abord... Oh putain, la remote contrôle, c'est juste là. Il faut être à côté, je pense. Non, je sais pas. En fait, on verra. On va monter d'abord à l'étage. J'ai l'arbalète. Il me semble qu'avec l'arbalète, je peux carrément tirer sur le bouton rouge, là. God damn it. J'étais un peu con. J'étais un petit peu con chez Roche quand même, hein. Ouais, bah écoute, on peut pas être parfait partout, hein. Donc du coup, je vais aller récupérer ma dernière fléchette, hein. Au cas où. Je ne sais pas si Granny est à nouveau réveillé ou pas. Oh, oh. J'aime pas le fait qu'elle me regarde avant de tomber, tu sais. Alors, j'ai un petit peu raté en termes de shoot, là, pour l'arbalète. Ce qui est un peu dérangeant, si tu veux, mon avis. Il faut que je récupère le fusil. Il est où, le fusil? Ça... Oh, un écrou. Ah bah oui, c'est l'écrou que j'ai balancé, hein, en fait, tout à l'heure. Il est où, le fusil? Où est-ce que j'ai largué le fusil à pompe, les amis? Où est-ce que j'ai mis ce truc-là, moi? Dans la cuisine? Ouais, il est là. Allez, on monte.
On va tuer l'araignée. Parce qu'on n'a pas le time, ok? On va retuer Granny. Parce qu'on n'a vraiment pas le time. Granny! Granny! 1 minute 30! Wouhou! Est-ce qu'elle est vivante ou pas? Putain, je vois tellement que dalle, quoi, c'est dingue. Granny! Voilà, viens! La pauvre dame, elle se prend quand même des coups de fusil à pompe dans la gueule depuis le début de la partie. En même temps, elle essaie de me tuer. Tu sais ce qui est flippant? C'est que t'as... Sérieux, hein? Come at me, Granny! Montre-toi! Ou tais-toi à jamais! Boom! Get started, yeah, motherfucker! Est-ce que je peux tuer l'araignée tranquille? Araignée! Coucou! Petite araignée! Eh oh! Ah! Elle meurt pas! Non! L'araignée ne meurt pas avec le fusil à pompe! C'était une erreur! Monumentale! On ne peut pas tuer l'araignée! Et c'est mon dernier jour! Eh, hey, te trompe pas, Séros! Le fusil à pompe. Il faut le steak, du coup. Où est-ce que je l'ai endormi, moi? Granny! Hé! Laisse-moi tranquille! Va-t'en! Dégage! Va-t'en! Pas spécialement! C'est pas trop mon kiff, ok? La 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 la. Boum, elle tombe à terre, je m'en fous. Il me reste un jour, j'ai déconné là par contre. Il y a une mort qui servait à rien, les deux autres en fait ça va. Mais il y en a une quand même, elle était un peu inutile. Il faut que j'aille à l'extérieur. Allez, dépêche-toi, Séros. Récupère la viande. Oh, j'espère qu'elle va pas me tuer, l'araignée. Je pensais vraiment que je pouvais appuyer sur le bouton rouge. Mais en fait, tu sais, je pense qu'on peut. Mais il faut bien viser, quoi. Oh, c'est vrai que j'ai un écrou, là. Ça tue. J'étais obligé de faire tomber ce truc, hein. C'était obligé, hein. Je pouvais pas faire le jeu tranquille sans faire tomber quoi que ce soit. Il fallait absolument que Monsieur Séros fasse tomber quelque chose. Avec son gros cul de nouvel an, là. Eh, ce serait con de perdre ici. J'ai dit que je vais gagner. Surtout que là, on a un spawn parfait, en fait, au niveau des outils. On a quasiment tout utilisé. On a quasiment tout utilisé en termes d'objets. Le marteau est toujours au grenier. Faut garder ça en tête. Parce que je n'ai pas déverrouillé la porte. J'ai pas trouvé de code, j'ai pas trouvé de bougie, j'ai pas trouvé d'essence. Ça fait quand même beaucoup d'objets importants que je n'ai pas trouvé là, actuellement. Non, non. C'est pas le bon endroit. Allez, c'est bon. Je crois que je peux avoir la maison de poupée, là.
Je suis en train de me stresser tout seul, en fait, pour rien du tout, tu sais. Calme-toi, calme-toi. C'est pas parce qu'il reste qu'un seul jour que tu vas mourir, ok? Garde espoir en toi, Seros! Tout le monde y croit! Tout le monde a levé les mains! La bougie. Ok, très bien. Est-ce qu'on pourra se faire une sortie en voiture? C'est la bonne question, tu sais. Alors, je vais mettre la bougie dans la voiture. Ce qu'il faut que je fasse, c'est faut que je la mette KO avant que j'aille voir l'araignée. Parce qu'elle a tendance, je sais pas pourquoi, elle a tendance à se faufiler, tu sais. Ok, la bougie, ça c'est bon. Le fusil à pompe, je l'ai laissé. Tout est dans... Tout au dernier étage. J'aurais besoin des pliers, en fait. Faut que j'emmène les pliers en bas. J'ai un truc à couper là, je sais pas ce que c'est. Faudrait juste que je vois à quoi ça sert. Et les pliers étaient... Ça c'est le tournevis. Les pliers étaient où, en fait, concrètement? J'ai les... Chut, putain. Fais chier, saleté de bougie de merde. J'arrête pas de faire tomber cette bougie, c'est dingue. Ok, tout va bien. Alors, ici, il devrait avoir... Oh, le fusil à pompe, il est où? Pourquoi il est loin là-bas? Est-ce que je peux y aller sans problème? Où est-ce que j'avais vu d'autres balles, moi? Je sais plus où j'avais vu les autres balles. Du coup, c'est compliqué. Ça, c'est le marteau. Ça, c'est les pliers. Ah. Bon, bah, ça, c'est fait. Au moins, maintenant, elle va venir. Je sais qu'elle va venir ici. Et je serai tranquille. Pas pour longtemps, il faut juste que j'arrive à savoir où pourrait se trouver d'autres balles de fusil à pompe. J'en ai vu, mais je sais plus où. Ça me fait rire à chaque fois. À chaque fois que je lui tire dessus. C'est une partie de plaisir. Ça fait plaisir, c'est bon, j'en ai ici. Alors, le steak est totalement à l'extérieur, donc faudrait y aller vite, 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 vite. Je peux pas faire cette fin-là pour l'instant. Ah, l'arbalète est là. C'est bon, tout va bien. Alors, le steak est à l'extérieur, putain. Allez, c'est parti. J'aurais pas dû mettre le steak à l'intérieur. Ouais, c'est parti. Allez, on y croit, 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 on y croit. C'est compliqué ce jeu. Allez. Allez. J'espère que je vais pas me faire tuer alors que j'essaie de mettre du steak.
Ok, ça va, tout va bien. C'était l'essence. Oh oh. Je sais pas si elle est déjà réveillée ou pas. Vous êtes pas encore ? Tu sais comment on va faire ? Faut savoir. On va faire ça. Oh, j'ai eu peur. C'est bon, tu viens ou pas ? Granny ! Viens ici ! Elle va venir là où tu penses ? Je sais pas trop, hein. J'ai pas l'impression, hein. Granny ! Il est où mon fusil à pompe ? Il est dehors, mon fusil à pompe. Ça se trouve, j'avais le temps de faire plein de trucs. Et c'est juste parce que j'ai peur d'avancer que... Ah ! Oh, putain, c'est la planche ! Je me fais peur avec ma propre planche. Je finis par faire bugger le jeu, tu vas voir. Déjà que la planche est en mode... Je sais pas ce que tu essaies de faire, ça. Granny ? Granny ? Et maintenant, 1 minute 30, c'est trop long, quoi. Elle est morte. Pour toujours. Granny, t'es morte pour toujours ? Parce que c'est mon dernier jour, j'ai pas le droit de me planter, en fait, tu vois ? Hmm ? Elle est bon ? T'es Granny ! Oh ! T'es sérieux ? J'ai l'impression que j'essaie de la tirer, elle est en mode... Tu peux faire le bruit que je veux ? Tu peux faire le bruit que tu veux ? Je me suis pris 5 balles de fusil à pompe dans la tête ! Je vais pas remonter de sitôt ! Je pense que c'est ce qu'elle se dit en fait actuellement. Je sais pas combien je vais me faire défoncer en fait. J'ai tellement pas confiance. Il doit y avoir un bouton pour crier, non ? Merci. Oh ! C'est parti ! Mon kiki ! Putain, ça, elle a pris du temps, quand même, hein. Elle a pris tout son temps pour descendre, hein. Pour monter, je veux dire. C'est quand même dingue, hein. Je sais pas si ça fait du bruit ou pas, parce que j'ai pas entendu de bruit, moi. Mais en fait, la différence entre moi qui entends du bruit et elle, tu vois, c'est... Je crois qu'elle a pas entendu non plus. Oh boy, ça c'est bon. Alors, ça, on va mettre ça là. Et il faut que j'arrive à trouver des trucs. Alors, qu'est-ce qui pourrait me manquer là actuellement ?
Ça, c'est la clé, j'ai pas besoin de ça. J'ai vu qu'il y avait un truc là. Voilà, on va mettre ça ici. On va essayer de constituer ce truc là aussi éventuellement. Fichier. J'ai pas le droit de faire. J'ai pas le droit. Enfin, je pouvais pas faire autrement de toute façon. Ah, la remote control. Elle était. Elle était pas loin. Elle était. Dans cette salle là. Ah oui. Du coup. I need to get closer. J'ai pepper spray et une batterie. Ok. On va mettre ça comme ça. Allez, où la batterie? Putain, je l'ai lancé loin. Je suppose que le pepper spray c'est pour défoncer Granny. God damn it! C'est pas possible! Oh non! C'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, c'est juste à la repousse simplement en fait, c'est nul. Non mais c'est bon. Vous n'avez pas assez envoyé suffisamment d'énergie pour me sauver. J'ai besoin de plus d'énergie. Plus d'énergie. Non.